Bonjour la rediff, j'ai un peu oublié d'enregistrer pendant. C'est combien de temps qu'on stream? Une heure? Presque une heure. Donc j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait beaucoup de blabla, heureusement pour vous. J'ai gardé Martin pour nous aider, les jumelles Rita et Francette Luce ont grandi et elle attend un polichinelle du Chevalier d'Oz. Voilà, qui avait l'air très très beau. Ou pas. Moi, je suis désolée, vous ne verrez pas la rediff. Et là, on vient d'aller voir les paroles de « À vous dirai-je maman » et on se pose des questions avec Oscar, parce que Oscar est tout seul à être là. Et peut-être d'autres qui ne parlent pas, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de parler. Et donc, on se pose des questions sur cette chanson. Est-ce que c'est une chanson d'amour véritable, comme ça veut le faire croire? Ou est-ce qu'il y a encore un double sens dégueulasse, comme dans les trois quarts de nos comptines? Et je pense aussi, Oscar, qu'il y a un autre sens dégueulasse. Genre, il me fait tomber dans ses bras, machin. À mon avis, il y a encore une histoire de baise, hein, parce que franchement, je suis désolée, mais toutes nos comptines, il y a une histoire de baise dedans. Donc, ça doit être ça, hein. Parce que pourquoi elle est tourmentée? Elle est amoureuse de quelqu'un. Normalement, quand t'es amoureux, t'es pas tourmenté, t'es content. Enfin, surtout si c'est réciproque, ça. Elle a fini en cloque. Ah, ben, c'est pour ça. Ouais. Non mais c'est pas possible. Mais pourquoi on chante ça à nos gosses? C'est horrible. Attendez. À vous dirai-je maman. Traduction. C'est pas le mot traduction que je veux dire. Mais non, mais traduction en anglais, mais forcément. Putain, signification. Voilà. Alors, à vous dirai-je maman, cette rengaine est une déformation d'une chanson qui date du 1, 2, 3, 18e siècle, La Confidence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'était absolument pas destinée aux enfants. Comme c'est étonnant! Ouais, ben c'est ça! Elle s'est faite soulever et elle est en cloque! Ah non, c'est un peu plus doux. Attends. Alors. Non, mais on se. Écoutez, pendant que nos Sims meurent, là, nous, on s'instruit, ok? Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Donc, blablabla, il s'agissait d'un texte d'initiation amoureuse sous la forme de la confidence d'une jeune fille à sa mère. Cet aveu de la découverte de l'amour et du sexe. blablabla. Signale que la demoiselle a bel et bien quitté l'enfance. Ouais, même leur signification, elle est. Faut lire entre les lignes, quoi. Blablabla. Ouais, bah, clairement. Flore fait ici référence à la déesse de la fertilité et du printemps. Ok? Oui, bon, en gros, elle baisse, quoi. Voilà. En traduction, elle baise. Sylvandre, c'est pas mal comme prénom. Je pense que notre prochain bébé, on l'appelle comme ça, Oscar. Hein. Ce sera notre petite private joke, puisque personne n'est là. Vous préférez fêter vos mamans que suivre le sang bébé. Logique. Attends, je me rappelle plus comment ça s'écrit. À vous dirai-je, maman, que j'ai baisé comme une vache. Pardon. Sylvandre, ouais, c'est ça. Attends, je l'écris. Je te l'écris. Enfin, je l'écris dans le. Fête ta mère. Sylvandre. J'ai envie d'appeler un perso comme ça maintenant. C'est affreux. Ah! Déteste qu'on la porte. Francette Luce nous casse déjà les couilles. Et en plus, elle est ballonnée. Donc, elle pète. Et elle aime pas qu'on la porte pour la soulager. Donc, déjà, elle a un prénom de merde. Et en plus, elle est insupportable. Pauvre enfant. Pourtant, c'est la plus jolie des deux, hein. Regarde, elle est. Elle est. Enfin, ouais. Non, non, elle fait peur, j'ai rien dit, elle fait peur. Et l'autre, peut-être qu'elle est un peu moins à l'autre.
L'autre, elle a l'air stupide, mais au moins, elle ne fait pas peur. Hein? Voilà. L'autre, elle a l'air trop vénère, là. J'ai pété la gueule! Je m'appelle Francette Luce! Et Francette Luce, catcheuse. Parfait, le screen. Catcheuse, je te le dis, c'est son métier d'avenir, là. On va lui faire un déguisement et tout. Elle va être trop belle. Et Francette Luce, catcheuse, marave ta mère, marave les grand-mères, marave ta sœur et marave même ton père. Voilà. Elle soulève tout le monde. Elle aura des muscles comme as, hein. Et elle va péter la gueule de tout le monde. Ce sera la méchante et en même temps la gentille. Tout le monde va la détester. Tout le monde va l'adorer en même temps. On la verra partout. T'es pas prêt, mon petit Oscar. Elle va soulever Roman Reigns, hein, moi je te le dis. Hein. Francette Luce, prochaine championne de la WWE. Hein. Alors moi je vous le dis. Hein. Là, ça va soulever des daronnes. Hein. Et même des darons. Et pas dans le sens sexuel pour une fois. Tant qu'elle soulève. Ah si, si, Réa, elle y passe aussi. Tout le monde finit en serpillière avec Francette Luce. Désolée. Et pourtant, j'aime Réa. Ah si, ah si. Elle aura toutes les ceintures. Toutes. Hommes-femmes confondus. Toutes. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on voit la suite parce que bon, je me fais un peu spoil. Bon, elles vont comment les gosses là? Non, mais ça va, c'est bon, ils s'en ont occupés, parfait. Tu vas les manger, ma pauvre Georgia, parce que ça va pas du tout. Et ensuite, un petit dodo, hein, 1 h du mat, il est grand temps de dormir. On va lancer la comptine, on va diffuser la même, hein, parce que bon. À vous dirai-je, maman? Ce qui cause mon tourment depuis que j'ai rencontré Sylvain. J'ai pas l'air en fait. Il nous faut l'air. Il nous faut l'air. Allez, on va la mettre. Ce qui cause mon tourment. Je vais me faire strike encore. Allez là, les paroles. Ah mais c'est celle-là que je connaissais! Comme une grande personne! Mais on s'en fout de celle-là, on veut la vraie, nous! Bah alors, qu'est-ce qu'on a lu? Ouais, on est sur Kick, mais quand je vais remettre sur YouTube, je vais me faire couper le son. Bah ouais! Bah alors pourquoi il nous parle de Sylvandre là? Moi je veux la vraie là! Pas celle en plus. Franchement, une chanson pour enfants chantée par un enfant, ça me perturbe. Oui, mais je suis facilement perturbable, ok? À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. C'est pas possible, sérieux. Pourquoi vous mettez pas le son d'une femme avec une voix douce qui chante? Non, parce que bon. Allez, on fait dodo, les chieuses, là. La catcheuse et la moche. La catcheuse et la teuteux. Voilà, ça va être ça. Bon, il n'y a pas la vraie version. Papa veut que je raisonne, mais je m'en fous de papa. Je veux la vraie, moi. La vraie version. C'est nul. Ah, peut-être celle-là. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je... À ça. À vous dirai-je maman, vieille version moi. Peut-être celle-là. C'est de l'opéra là. Voilà. Bon, c'est bien, c'est gentil, mais bon, si ça peut aller un peu plus dit, plus vite. Ah voilà, celui-là. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. C'est très vieux. Ah, tu m'as MP.
s'il vendre me regarder. Ah oui, mais c'est celle-là que j'ai, merci. Mon cœur est dit à tout moment. La la la. Vivre sans amant. C'est très, très... Ouf, il fait chaud, hein. Peut-on vivre sans amant? C'est une vraie question. Vous avez 2 heures. Voilà. À vous dire... J'avance pas du tout sur ce challenge, hein. À vous dire, je maman. C'est beaucoup plus lent, hein. Là, d'accord, elles sont devenues amies en gigotant dans leur berceau. Elles sont même pas côte à côte, c'est... Gazouillé. Bah, c'est bien, vous pouvez dormir maintenant. Ah. Ouin, 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 ouin. Allez, on dort. Sale gosse. Oh, mais l'autre, il s'est réveillé. Bon, bah, fais du ménage, fais quelque chose. À vous dirai-je, maman. Ce qui cause mon tourment depuis que j'ai... Mais non. Ah, salut mon frère, j'ai pas vu. Pardon, excusez-moi. On apprend des chansons... intéressante. Ah, celle-là, attends, ça va peut-être être moins chiant. Oh la vache, c'est pas possible. Cette façon de chanter, les gars, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est pas possible de chanter avec des... On n'est plus là, c'est fini tout ça. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a la catcheuse. Elle nous emmerde, elle nous emmerde, elle nous emmerde. Elle nous emmerde, elle nous emmerde, elle nous emmerde. Allez, nourris le bébé. Et le bébé. Où est le bébé? Mais t'as envie de faire pipi? Bah vas-y, espèce d'autruche. Ah oui, j'ai rajouté une salle de bain dans la chambre de Georgia pour qu'elle soit tranquille. C'est Blanche-Neige. Ouais, c'est ça. Mais Blanche-Neige, c'était pareil. C'est plus possible de chanter comme ça. Oh non, mais la journée, là, c'est bon. Votre journée de mort, là. Allez, va te laver, tu pues. Un jour, mon prince viendra. C'est plus possible de chanter comme ça. Mon Dieu. Un jour, c'est chanter une chèvre. C'était beau à une époque, certainement. C'était beau avec certaines chansons. Mais c'est fini. La 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 la. Un jour mon prince viendra. Martin. Tu sers à rien, Martin. Oh, va laver les chiottes. Allez, va laver les chiottes, Martin. Jacouille, éponge. Oh, il y en a partout, mais ils sont incapables de jeter les couches, là. Gna gna gna, surréaliste. Allez. Elle accouche quand? Qu'on est au moins... Oh là là, ben on n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu. Fais ta toile, morue. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Edouard? Trop de corvées. Eh ben oui, mon petit Martin. Alors. On va changer sa couche parce que la pauvre gosse, là... Elle baigne dans son caca.
Nous baignions dans notre merde. Ça me rappelle des souvenirs peu agréables. C'était la trompette. Des souvenirs peu agréables d'une certaine réanimation. Qu'est-ce qu'il y a, Jocelyne? Qu'est-ce que t'as, la catcheuse? Tu nous emmerdes. Bon, je voudrais au moins qu'on ait un garçon pour l'appeler Sylvandre, là, ou je sais plus comment. Sylvandre, c'est pas possible. Ça vient d'où? C'est un vrai prénom? Jean Sylvandre, ouais. Ok. Prénom. En fait, je devrais appeler mes lives, on recherche des trucs sur Google. Je pense que ça peut être un concept original. Alors, Sylvandre. Ok, vas-y. Trois personnes depuis 1890. Ah ouais. C'est pas très populaire. Ça ouf, quoi. C'est pas ouf, ouf. Mais c'est un nom ou c'est un prénom? Là, c'est un nom de famille. Donc, elle appelle son mec par un nom de famille. Mais moi, je veux le prénom, moi. Bon, à partir de maintenant, c'est un prénom, ok? C'est un prénom. Et voilà. Et vous allez tous appeler votre enfant comme ça. Sylvandre. C'est très laid. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir le bug où ils empilent des assiettes pendant 10 ans et ils les reposent et... Attendez, je vais peut-être parler trop vite. Cela dit, c'est dans Lullaby ce bug, pas dans... Pas dans le sang bébé. C'est très chiant d'ailleurs dans Lullaby. Nya, 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 nya. Il y a plein d'eau partout. Festival de la neige. On n'a pas le temps d'aller au festoche. On n'a pas le temps parce qu'on est débordé. Plein de mioches. Après, on pourra refaire un sans bébé. Non. Où on les appellera tous Alloc 1, Alloc 2, Alloc 3, Alloc 4. Coucou mamie, comment ça va? La 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 la. La 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 la. Ouais, ça va. On apprend des choses ici. J'ai un peu zappé d'enregistrer une heure de live, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Sans, vous avez rien raté, on a juste. Bon, allez, on cloque, quoi. Et après, j'ai juste. Parler. Coucou Missou, ça va? Pardon. Comment vous allez, mesdames? Attention, mesdames et messieurs, ça va. Dans un instant, ça va commencer. La 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 la. Pardon. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment depuis que j'ai rencontré Sylvandre. Mais ça va pas, hein.
Je sais pas comment elles font pour que ça colle. C'est quoi la suite? J'ai déjà oublié. J'ai déjà Quoi? oublié, Oscar, c'est honteux! Mon Dieu, c'est quoi ça? Un arbre à cochon. Magnifique. Pourquoi elle est pas contente, la petite? Réveillée et en colère. Ah ben super. Ah oui, ça va être une petite peste. Elle est au top, hein. On a dit que Francette Luce deviendrait une catcheuse. Voilà. Et qu'elle allait avoir tous les titres. Et péter la gueule de tout le monde. Arrête de dormir, toi. Non. Tu fais l'étoile. La 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 la. Voilà, elle va péter la gueule de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Rita? Oh là là, mais entre la chialeuse et la vénère, on n'a pas fini, hein. Pas se vider tout seul, cette aspie. Elle a peint un chef-d'œuvre, bravo. Laisse ton fils s'en occuper, bordel à queue! Oh là là. Attends, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver là. Allez, va faire à manger, Martin. J'ai gardé Martin, mais en fait il est chiant parce qu'il dort tout le temps. Il est narcoleptique, il s'endort partout. Sur les chiottes, dans la baignoire, sur les chaises, sur le canapé, partout il s'endort. Incroyable bleu. Ça me gratte le nez. Qui veut m'embrasser et qu'il se dénonce? Merci aux 7 gens qui sont là. Waouh, trop bon. Ou pas. Ben bravo, mamie. On s'en fout. C'est quoi le rapport avec le live? Non, en vrai, c'est cool. Mais tu l'avais pas déjà? Ou c'était une temporaire le temps que tu reçoives la tienne? Oui, parce que si ça vous intéresse, mamie a reçu sa mutuelle. Voilà, vous êtes content de le savoir. Ça va illuminer votre journée, je pense. Je précise pour la rediff, vu qu'il ne voit pas le chat. Et d'ailleurs, même sur Kick, quand vous regardez des rediffs, il n'y a pas le chat. Ça viendra peut-être plus tard, je sais pas. Je sais pas du tout comment ils vont faire ça. Pauvre mamie. Qu'est-ce qu'il est, lui? Qu'est-ce qu'elle a encore? Mais il faut dormir, mademoiselle casse-couille. Ah ben, c'est endormi. Quelle conne. Va raconter une histoire à la petite, là. Je sais qu'on s'en fout, mais je m'en fous, je suis trop contente. Non, mais en vrai, c'est cool, t'inquiète. Je fais la danse du ventre. Ah.
Ça te dérange pas si on regarde pas? Parce que bon, il y a des choses qu'on veut pas voir. Coucou Kiki, comment ça va? Kiki, t'es en retard, faut que tu souhaites l'anniv de Kurama qui était le premier et de Jeff qui était le 2. Dépêche-toi Kiki. À la gueule de Francette Luce, se trouve énervée. Je suis énervée. Qu'est-ce qu'elle a? M'adore, babouin. Essayez de faire dodo. Dodo. Ouais, au niveau de la maison, donc j'ai un peu aménagé la chambre, enfin j'ai mis des lits mieux. Et puis j'ai agrandi le salon et j'ai fait une salle de bain à mademoiselle là. On est bien niveau thune. Ah mince. Non mais t'inquiète, ça devient un peu un running gag que tu sois toujours en retard sur les annives. Je commence un peu à apprécier. Ah, je trouve ça trop drôle. Sinon tu vas bien? Vous avez fêté la fête à votre maman? Ah, sois pas en retard, hein, Kiki, c'est aujourd'hui la fête des mères. Pardon, je crois que la semaine prochaine, c'est la fête des pères. Oui. Ouais, bon, il y a des mères qui méritent plus que d'autres, hein. Mais on ne va pas, épiloguer sur le sujet. La meuf bitch sur les mers comme ça, au calme. Je l'ai fait, t'inquiète. Ah bah voilà! Pour une fois, t'es pas en retard! Ouais, ça va. Je me réveille. Enfin, je suis réveillée depuis un moment, mais je suis dans une phase de mollitude. Et c'est pour ça que j'ai pas fait des lives la semaine dernière, parce que je vous jure, j'étais un légume. Je me suis dit, si je lance un live, je vais rien dire. J'étais molle, j'avais envie de rien, juste. Je regardais mes séries et je lisais. Voilà, c'est super intéressant. J'ai fait ça pendant une semaine. Genre, aucune motivation, aucune envie de juste blanc. Et quand j'ouvre un jeu, je le regarde et puis je le referme. Quand j'ouvre un logiciel pour faire un truc, je le regarde et puis je le referme. Je pense que ça arrive à tout le monde, ces périodes. Mais du coup, bah, c'est un peu chiant. Donc je me suis dit, je vais pas faire un live si c'est pour être aussi vive qu'une moule. Donc j'ai préféré ne pas en faire. Voilà. Autant en faire quand on est un peu énervé. Parce que sinon, on se fait chier. On se fait assez chier dans la vie. On va pas en plus faire chier sur mon live. Oh là là, cet enfant. Arrêtez de pleurer. Cessez donc, Jeannette Francette Luce. Vous serez une catcheuse plus tard. En attendant, cessez vos larmes. Vous allez tous les niquer. Bon allez, là, on peut passer le temps plus vite, là, c'est chiant. Bon, l'autre, elle accouche quand? Oh, mais elle est toujours pas au troisième trimestre. Tais-toi. Ah bah, si tu t'occupes de ta gosse, occupe-t'en bien, par contre. On n'a pas soin du nourrisson ultra efficace. Si, voilà. Allez, arrête de lui causer. Elle n'a pas besoin qu'on lui cause. Cet enfant, on a besoin qu'on la change et qu'on la nourrisse. Oh, il faut tout expliquer. Hein. Elle a eu 9 enfants, c'est encore moi qui lui explique la vie. Bah change-la aussi. Tu la changes pas. Ah, et tout y dire, tout y dire. Qu'est-ce qu'elle fait?
Je t'ai demandé de la changer, pas de la poser sur le sol. Eh, non, mais je vous jure, ça se passait très bien avant. Et là, vous arrivez et c'est le bordel. Qu'est-ce que diantre que ceci? Allez, va prendre les restes. T'en auras besoin, je crois. Non, mais pas toi. Tu l'as changée? Pourquoi elle est encore verte si tu l'as changée? Bah si, c'est bon. Bon, bah, tant pis, tu vas puer. Désolé. Mais pourquoi elle l'a posée par terre? Putain. Pff. Heureusement que t'es là, Martin. Je t'encule, Georgia. Tu arrêtes, tu vas manger maintenant. Laisse cet enfant pleurer, il ne va pas mourir parce qu'il pleure. C'est pas croyable, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Attention à ce que tu fais. Mange? Non. Tu vas pas voir Français Plus. Martin, tu... Bah, ça va, il est correct. Hein. Il est pas moche, il est pas... Il est bien. Ça va. Après, un peu de muscu, ça lui ferait pas mal, hein, dans un idéal. Mais ça va, en vrai, il est bien. Arrête! Elle va s'endormir, c'est bon! Oh, se calme toute seule, bah tu vois? Il suffisait de la laisser! Oh! Tu nous emmerdes, Georgia! Non, mais toi aussi, laisse-la! En plus, elle rigole! Allez, fais dodo maintenant. Oh, ils sont relous, hein! Mais mange! C'est Désiré qui l'a fait en plus. Toi, va t'asseoir au bout d'un moment. Bah, en vrai, ça va. Hein. Regarde, elle rigole. Elle se calme toute seule. Ah non, c'est Rita qui se calme toute seule. Bah, Rita, elle est sage. Et puis, il y a Français Plus, quoi. En même temps, je vous ai dit, elle va devenir une catcheuse. T'as intérêt d'avoir du caractère. Hein. Elle va battre tout le monde. Tout le monde, les hommes, les femmes. Elle va avoir toutes les ceintures. Tous les titres de toutes les compagnies. Voilà, moi j'en connais qu'une, mais elle aura tous les titres, je vous dis. Tous. Bon, c'est quand le dernier trimestre là? Parce qu'on s'emmerde. Ah bah enfin. Adieu Roman, enfin. D'ailleurs, il faut qu'on regarde le truc qui s'est passé il y a quelques semaines, mais je crois que j'ai été spoil et ça me saoule déjà. Tiens, on va les faire jouer tous les deux. Pourquoi il y a Julien du slip dans le coin? Ah bon? Il est où? Bigfoot du slip! Ah, ça m'intéresse pas. Maintenant que tu es parti, Bigfoot, on ne veut plus de toi. Jamais! Jamais! Bon, finalement, j'ai fait un Google Doc pour les gosses, là. Est-ce que vous voulez que je vous le partage? C'est pas très intéressant, mais comme ça, vous avez les... Hop, j'ai mis un peu de couleur. La couleur.
Ok, bah je vais vous le partager. Ah, pouit pouit, copier le lien. Je vais vous le mettre dans le Discord comme ça. Dans Recap Sims. Voilà. Tiens, je vais rajouter le hashtag comme ça. Voilà, vous avez tout. Oh, il y a un Tamiya anonyme. Et je suis encore avec les mouflés, putain, c'est pas possible. Il se tape une barre, lui. Mais de rien, les enfants. Merci à vous d'être là pour mes streams. C'est gentil. Elle est dégueulasse, cette pauvre enfant. On va aller lui donner un bain, tiens, parce que bon. Toi, t'as faim, t'as quelque chose? Non, ça va. Ah oui, bah, c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est vrai qu'on a opposition. Le prince Jackie, le sac plastique. Flocon. Riton la fouine. Et ah oui, tiens. Voilà, ça c'est le prochain papa du dixième. Ouais, bravo, on a débloqué le bain. Bon, c'est quand même vachement plus simple avec un autre adulte dans le coin. Tiens, va dormir un peu, toi. Calmez-vous! Voilà, c'est bon, ça a marché! Calmez-vous! Elle s'est calmée! Oh, Oscar, tu m'as tué! Ouais, trop bien! 8 ans plus tard! Ouais, on a le droit. On n'a pas le droit d'en acheter, enfin d'en acheter, de payer des services, mais on a le droit de garder un de nos anciens enfants dans le tas. Et ça, c'est bien. Bon, je l'ai fait dormir pour que ça aille plus vite, mais si elle ne dort pas, ça ne va pas aider. Je veux que tu accouches! J'ai gardé Martin, mais j'aurais dû garder Désiré, hein, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, il est paresseux et il s'endort partout. Excusez-moi, j'ai eu un moment, hein, j'ai eu un peu de cerveau. Oui, il s'est éteint. Il s'est éteint, j'ai oublié de vivre pendant quelques fractions de seconde. Le bide. Voilà. À vous dirai-je, maman? Allez, viens boire le bon lait. Merde, j'ai oublié de vérifier mon micro, mais je pense que Oscar me l'aurait déjà dit si ça.
si c'était parti en couille. Viens boire le bon lait de maman. Maman a du bon lait. Ouais, c'est bon, il est bien. Oh, Bobby. Oh, oh, Lemla. Nina, 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 no. Nina, 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 no. Alors, s'il te plaît, cette fois, tu manges et tu vas pas à 8 ans voir tes gosses. Pourquoi tu rigoles, Kiki? Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même plus ce que j'ai dit comme connerie. Pourquoi ça me le duplique? C'est encore complètement pété, ce jeu de merde. Je viens de remarquer. Ah, les Sims, arrêtez de bugger. Ah, j'ai pas pris les deux nouveaux Rikikits parce que j'ai pas de thunes, voilà. Je préfère payer 10 balles dans ma bouffe que dans les Sims pour le moment. Donc je les prendrai plus tard, quand je pourrai. Et je dis pas ça pour que vous me les preniez, je vous vois venir. Donc vous rangez votre carte bleue, là, ou votre porte-monnaie, ou votre PayPal. Bien profond dans votre cul. Voilà, merci de votre attention. Allez. C'est quoi d'ailleurs? C'est bibliothèque et look grunge. Oui. Pardon. Le bon lait de maman. C'est pas possible. Hein. Le bon lait. Non. Ouais, vous faites ce que vous voulez et vous vous le mettez dans votre cul surtout. Bon, tu vas calmer ta petite sœur, trou de balle. Martin, tu bug. Ah là là. Non mais oh. Non mais oh. Non mais je te vois venir toi, range cette carte bleue là. Range ton PayPal. Je prendrai les kits quand je pourrai. Quel emmerdeur. Emmerdeuse. Emmerdeur aussi pour Oscar. Voilà. J'entends la voix de mamie. Non mais oh. Mais ça me fait rire. Arrêtez de me faire rire. Ah, mais maintenant, c'est elle qui est fâchée, la Rita Mitsuko, là. Qu'est-ce qu'elle veut? Calmez-vous. Ben, va la voir, trou du cul. Calmez-vous. Ouais, c'est bon, elle s'est calmée. Allez, une petite berceuse, allez. Frère Jacques Chirac, où vas-tu? Que fais-tu? Je vais à la messe, draguer les gonzesses, ding ding dong, ding. Ouais, c'est pas ça? Ah bon? Je croyais. Quand est-ce que tu ponds tout mouflé, Georgia? T'as intérêt d'en avoir trois, Georgia? Non, deux. Elle en aura deux, je pense. Si elle en a un, j'aurai vraiment le seum. Par contre, tiens, pendant que vous êtes là, pariez. Si c'est totalement ça. Ah bah, ça me rassure alors. Ah, il y en a encore une qui s'est réveillée. Ouh. Dors ou Sylvandre va venir t'enlever ton enfance. Pardon. Si vous ne comprenez pas, fallait être là au début du live. La meuf, tu sais, qui rage parce que les gens viennent pas. Non, mais laisse-la. Oh, je parie sur deux. D'ailleurs, il y a un streamer qui a pété un câble parce qu'ils sont genre 11 000 sur sa chaîne et il a 11 spectateurs. Et je peux comprendre en vrai.
Bon, après, il pète un câble. Il pète clairement un câble, mais c'est un peu triste. Mais en même temps, je comprends. C'est comme quand tu fais un live 12 heures ou 24 heures et où tu fais plein de jeux. Et à peine tu commences un jeu, que les gens ils disent, c'est quand que tu fais l'autre jeu? C'est pas très agréable. Voilà. Je vous le dis, si jamais vous faites partie de ce genre de personnes, je sais bien que ce n'est pas méchant de votre part, mais sachez que ce n'est pas agréable. Voilà. Sachez-le. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore, Janine? Elle pète. Elle se relève pour péter, mais moi, je pète sous la couette, hein. J'ai pas le temps de me relever, hein. Putain, si je devais me relever à chaque fois que je pète, eh ben, je passerai ma nuit debout, les gars. Non, mais oh. Merci aux 9 gens qui sont là. Là, vous voyez, on est 13 followers et on est 9. Et des fois, on est 13. Et c'est trop bien, parce que du coup, bah, c'est équilibré. Enfin, c'est... Enfin, les gens qui sont là, ils me suivent vraiment. Après, je sais bien que vous avez une vie et que vous pouvez pas être là sur tous les streams. Mais voilà. Enfin, je sais pas. Enfin, il a pété un câble, le monsieur, là, et c'était triste, en fait. Oui, vous demandez tel jeu et quand je le fais, personne regarde. Mais je comprends, hein. C'est un peu rageant. Bon, alors, par contre... Ah si, en fait, ils mangent son... Vas-y, mange tes péteux. Non, non, nettoie pas. Mange-les. Et ensuite, on lui change la couche, hein, parce que ça pue, là. Hein. Bon, après, il les insulte, ça. C'est pas non plus la bonne façon, mais... Je sais plus ce qu'il leur dit. Mais c'est Jeff qui a mis ça sur mon Discord. Je me suis dit, il s'appelle Dragon Blanc ou je sais pas quoi, là. Et vraiment, il pète un câble. Il les envoie tout chier, mais violent. Allez, vous faire foutre, machin. Calmez-vous. Enfin, je comprends votre ressenti, mais calmez-vous. Surtout qu'il y a quand même 11 personnes qui sont là. Et tu vois, c'est elles qui se le prennent dans la gueule alors que eux ils sont là. Après, je peux comprendre, hein. Mais ça, c'est un truc de fou, hein. Si un jour vous vous lancez en stream ou sur YouTube ou sur n'importe quel réseau où il y a une histoire de vues, ça vous rend barjot, hein. Clairement, si vous vous focalisez que dessus, ça rend barjot. Et même en se focalisant pas trop dessus, ça... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu dans votre tête, tu vois. Genre sur ma chaîne YouTube, j'ai 2000 abonnés. Quand je faisais encore des vidéos, je faisais 40 vues. T'es en droit de te demander où sont les... attendez que j'essaye de compter. Les 1950 autres gens. Où est-ce qu'ils sont? Et c'est normal. Et c'est un peu démoralisant. Hein. c'est bon, elle est propre, elle. Bah, elle va aller faire dodo maintenant. Oui, bah c'est bien, t'es chiante là. Ensuite, il faut s'occuper de la petite Rita. Elle va pas se changer et se nourrir toute seule, hein. Bah oui, hein. Il faut s'en occuper un peu. Alors maintenant, tu fais dormir Francette Luce et tu t'occupes de Rita. Rita qui nous casse les couilles. Regardez ce gros caca boudin. Il est bugué, ça me saoule. Ça me saoule. Mais va pas dans les toilettes de ta mère, putain. T'as 3 salles de bain, faut que t'ailles dans les toilettes de ta mère. T'as même 2 chiottes séparées, tu vas dans les toilettes de ta mère. Relou. Bon, tu la couches ou tu te touches, toi? Il faut coucher l'enfant. Voilà. Et on lui dit bonne nuit à l'enfant. Et on lui met une petite berceuse, ça sera fait dodo. Fais dodo, mon bébé. La 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 la
Si un jour vous avez des enfants, n'hésitez pas à m'appeler pour leur chanter des petites comptines. Ou n'hésitez pas à m'envoyer, à me dire chante ça, enregistre-toi, et à le mettre en berceuse à vos enfants. Je pense que ça marchera pas mal. Avec la voix mélodieuse que j'ai, ils s'endorment tout de suite. Moi, je prends le pari qu'ils s'endorment direct. À mon avis, ils vont dire, c'est bon, je dors, mais plus ce truc. S'il te plaît, maman, papa, arrête, je dormirai vite, mais ne mets plus ça. Eh oui, l'éducation par la peur, ça marche. Oh mon dieu, je vais boire un peu, hein, pour oublier. Bref alors, nous disions, les Sims c'est très bien, il faut être très gentil et pas avoir un mot plus haut que l'autre. Et surtout, pas de gros mots parce que ça peut choquer. Vous avez compris ? Si vous voulez être partenaire EA, surtout, soyez bien sage et tout lisse. Et donc, elle accouche quand ? La petite dame, là. La la la. Na 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 na. Je vais le débog, lui, parce qu'il me saoule à avoir la gamine. Voilà. Va t'asseoir, trou de balle. Trou de balle. Oui. Elle accouche quand on ne sait pas. On ne sait pas. C'est bien trop long. Non, faut pas dire ça, Missou. Faut être poli et surtout pas de gros mots. Et il faut pas insulter les Sims ni dire que le jeu est buggé parce que sinon on est radié et on est pris pour des méchants. Waouh, moi je suis trop méchante. La communauté Sims elle me fait caca au visage. Bah, je sais pas, Missou, t'es la première à essayer de te contrôler dans tes streams, donc apprends-moi. Apprends-moi à me retenir, parce que personnellement, ça me saoule. Ce magnifique poisson. Une morue qui fait rire. Mais elle est trop bien. Elle vient d'où, d'ailleurs? Vient d'où, ce poisson qui frétille? Bon, c'est bon, il s'occupe de la mioche. Les gens veulent que je raisonne. Oui, vent. Elle accouche quand, s'il vous plaît? On s'emmerde, elle n'accouche pas. Elle n'accouche pas. Pond-le ton chiard, pond-le ton chiard, pond-le ton chiard. Allez, je veux du bruit dans le chat. Pond-le ton chiard, pond-le ton chiard. Allez, des smileys, des cris, enfin, des majuscules. Pond-le ton chiard. Ah, ça y est. Ah voilà, il suffit d'être demandé. Bon, le temps que vous ayez le moment où je vous demande... Voilà, pour le ton chien. Merci, Kylian. Ça a marché. Pour le connasse. Ah, c'est pas ce qu'on avait dit, Oscar. C'est pas tout à fait ça. Bon, alors, vous pariez combien? 1, 2 ou 3? Mamie, elle avait dit 2. Et vous? Pond-le ton chiard. Pond-le ton chiard. Pourquoi elle a Rita dans les bras cette... Mais c'est pas possible, hein. Si je ne la surveille pas. Elle est où, l'autre? Elle est là, ok. Non, mais... Alors, deux. Et Missou, il manque. Allez.
C'est parti, avoir un bébé. 3. J'ai un gros doute sur 3. Bon, on verra bien. Allez là, c'est bon, va chier. Enfin, va pondre. Allez. Le petit chien, le petit chien. Ah, on pousse, je suis très RP, hein, ok. Allez. Bon, on dirait plus que je suis en train de chier, que j'accouche, mais en même temps, je n'ai jamais accouché. Je ne peux pas savoir ce que ça fait. Et étonnamment, je n'ai pas envie de le savoir. C'est un garçon! Alors, Oscar, on a dit qu'on l'appellerait Sylvandre, donc on l'appelle Sylvandre. N'est-ce pas? Je vais quand même vérifier que c'est bien ça. Parce qu'il ne faudrait pas... Voilà, si ça c'est Sylvandre. Donc pour le moment, c'est un. S'il n'y en a qu'un, je suis dégoûtée, je vous le dis tout de suite. On fait monter le suspense en allant l'écrire sur la liste. Sylvandre. Roulement de tambour. Il y en a deux. Donnez-moi un prénom de garçon, s'il vous plaît. Un prénom de garçon. Un prénom de garçon. Le premier qu'il dit. Le premier qu'il dit est à gagner. Ah, m'a fait peur lui. Mais ça va pas, non? Mais Ruru, tu m'as trop fait peur. Regarde, on dirait un grand-père là. Parce que tu crois que t'es mieux à faire la chienne là? Je t'ai entendu faire la chienne, mais... Je fais pas la chienne, j'accouche. En faisant la chienne. Bah oui, c'est la technique qu'ils disent. Faites le petit chien, faites le petit chien. Il était malade ton petit chien. C'est quoi que t'as dit comme prénom? Guy Georges. Guy Georges. Putain, tu m'as trop fait peur, j'ai failli pleurer. Bon, désolé, c'est Ruru qui l'aura. Hein. J'empêche Serge Mustapha, c'est pas mal, c'est pas mal. Gonzague. Oh là là. Il y en a deux. Ah putain, j'ai eu trop peur. Mohamed Couscous. Non, je veux pas de problème. Oh putain. Donc Guy Georges a vu le jour. Oh putain, le con, il m'a trop fait peur. Alors on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On est à 11 bébés. Pardon. Oh, elle m'a fait trop peur. Faut pas me faire ça, hein. Vous l'avez vu aller derrière ou vous l'avez pas vu? Ah oh, putain. N'hésitez pas à un clip. Je suis en train de m'étouffer. Si on l'a vu. Et vous m'avez pas prévenu. En même temps, j'étais pas sur le chat, donc... Oh putain, la crise cardiaque. Et ça vous fait rire. Oh les salauds. Je suis cardiaque, j'aurais pu mourir et ça vous fait rire. Sale gosse. C'est honteux. Oh putain. Oh la vache, oh, j'ai trop peur. Ah le con. Ah oh, bah lui, il paie rien pour attendre. Hein. J'ai pas compris ce que c'était. Oh la violence. C'est Ruru, il est juste venu derrière moi. Et comme j'étais en train de brère, je n'ai pas entendu. Et il a dit Guy Georges. Moi je m'attendais pas à entendre un truc derrière moi, donc j'ai eu trop peur. Oh, j'ai dû faire un bond, ça devait être beau. Si vous pouvez clip, n'hésitez pas. Hein. À mon avis, là, il y a de quoi faire.
Bon, pour cet enfant. Et toi, non, il dort, c'est bon. Bon. Et ben, on va pas perdre de temps. On va aller faire pipi, se brosser les dents. Il m'a fait peur aussi, tu m'étonnes. Excusez-moi, c'est l'heure de se moucher. Et on va aller se refaire engrosser. Voilà. Allez, c'est bon, on est propre. Quel con. Guy Georges. Guy Georges. Ici, on les a presque tous faits, hein. Il nous reste Yann et la robotte. Ah non, et j'ai les crocs aussi. Il nous en reste 3. Vous voulez lequel ? Yann, le raton laveur ou la robotte ? Je sais même pas si on peut faire des sondages sur le... Je crois qu'Oscar avait trouvé, mais j'ai oublié depuis. Oh putain, j'ai eu trop peur. Oh là là. Je vais pas m'en remettre. Donc, Yann, le raton ou la robotte, elle est peut-être à l'intérieur, je ne sais pas. Elle a pas l'air là. Elle a pas l'air d'être là, pardon. Ah si, elle est là, je suis con. Bon, je vous laisse choisir. On va se présenter pendant ce temps-là. Hop. Parler de la pluie et raton laveur. Mais Yann, il est à Miss, donc ça peut durer longtemps. Et des fois, vous faites deux Sims beaux ensemble. Et en fait, leurs traits, ils sont pas compatibles et ça donne une horreur. Ça arrive assez souvent, ça. Raton laveur pour mamie. Un Yann, un raton laveur. Osk et Missou, vous votez pour qui? J'en sais rien. C'était lui. Et tout ce que je sais, c'est qu'il avait les cheveux roses et un caleçon très... Je pourrais pas le décrire. Rose. Voilà, on va le dire juste rose. Et il a sur la miniature parce que encore une fois, il n'avait pas de cagoule, enfin de costume endormi, enfin dans la tenue du sommeil, il n'avait pas l'air terrible, si vous voulez mon avis. Il n'avait pas l'air ouf. Oscar, il est parti. Oh, il a dû partir, ce salé du cul. Bon. Bah, Missou, tu choisis. Après, ça a l'air parti pour le raton. Ok, alors c'est parti pour le raton laveur. Zéberdi, zéberdi, vous avez choisi. Vous avez choisi, j'ai les crocs, mesdames et messieurs. Zéberdi, zéberdi. Je pense que j'ai raté ma vocation. Vous pensez qu'on peut devenir doubleur, enfin doubleur, comédien de doublage à 30 ans, sans études, sans rien? J'ai un petit doute. Et toi, tu doubles quoi comme personnage? Un mec de la fête foraine qui dit c'est parti, je vais me mourir. Mais encore, lui, il le fait mieux. Ah oui, ils vont tous être tristes parce que... Oh, ils sont chiants. Bon, on va l'emmener chez nous. Oui, c'est normal, tes réponses sont décalées parce qu'il y a un décalage, tout simplement. Entre le moment où moi je parle et le moment... le moment où vous avez le truc.
Ça doit être possible si on couche. Ouais, mais faut que je couche avec qui? Pour devenir comédienne de doublage sur des trucs de fou. Enfin, juste prêter ma voix, en fait. Parce que moi, je veux bien me coucher, y a pas de problème. Regarde, je suis couchée, là, je suis couchée dans mon fauteuil. Ça compte? Vous savez, des fois, je me dis, ah, oh, je suis trop forte. Genre, je sais pas, pour le doublage ou pour le dessin ou ce genre de conneries. Et puis, en fait, je me dis, mais ça se trouve, je me prends trop pour une reine, mais je suis éclatée. Non, Ruru, il a fermé sa porte, c'est bon, je peux dire que je peux coucher. Sauf si vous allez lui balancer, évidemment, mais bon, on n'en est pas là, n'est-ce pas? Vous êtes mes abonnés, vous ne feriez jamais ça. Hmm? N'est-ce pas? Oh, elle lui a embrassé les patounes. Ah, si c'est encore pour qu'il vienne et me fasse peur, c'est bon. Ouais, donc je disais, si ça se trouve, je me prends trop pour un BG. En fait, je suis une sale merde, tu sais. Je sais pas. Bon, le dessin, déjà, je sais qu'il y a mieux, etc. Et que je manque beaucoup de technique. Mais le doublage, on m'a jamais dit explicitement, c'est de la merde ce que tu fais. À chaque fois, c'est des gens, ils disent, eh, c'est trop bien. Mais ça se trouve, ils sont juste... Enfin, pas objectif, tu vois. Je sais pas. Ah bah super Oscar. Super hein. On voit qu'on peut compter sur toi. Mais pourquoi il y a les chieuses par terre là? Ah, pauvre enfant. Martin, tu ne sers à rien, Martin. Oh putain. Je l'ai pas regardé, mais j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my goodness. Je crois qu'on tient quelque chose là. Je crois que j'ai vu un espèce de biker couleur grise. Oui, mais c'est pas parce que vous avez pas de level que vous pouvez pas être capable de donner votre avis. Je suis pas d'accord avec ça. Genre, question simple. Est-ce que vous me verriez doubler un personnage dans un Disney ou dans un dessin animé ou même dans une série, tu vois, tout simplement. Après, c'est peut-être compliqué d'imaginer son pote doubler un autre visage. Tu me vois dans un Disney Oscar avec ma voix de poissonnière, ce sera sûrement pas la princesse que je jouerai. Hein. La méchante. La méchante. D'ailleurs, je suis trop contente parce que je vais jouer la grande méchante dans la série de Éric Lafleur. Et j'ai trop hâte. Bah là, j'ai pas encore tout eu. Pour le moment, le seul truc que j'ai fait, c'est un rire diabolique. Mais franchement, je suis trop... J'ai trop la hype de jouer une grosse méchante. Vous pensez? Miss, je pense que toi, oui, il n'y aura pas de problème avec ça. Bon, vas-y, va niquer J. Oh my god, mais regardez ce biker! Oh, quel BG! Le biker! Mais j'avais dit de la nourrir. Hein.
Ouais, vous êtes gentil. Bon alors, il faut que je signe où pour doubler. Je pense qu'il y a des castings, mais je suis tellement pas informée là-dessus. Sylvandre nous fait déjà chier. Ah, mais c'est parce qu'il pue du cul. Il n'est pas content, je comprends. Oui, bah j'ai pas quatre bras, j'en ai que deux. C'est bon, on le nourrit là. Voilà. Allez, casse-toi. Oh, je crois que c'est un vampire, putain. Oh, fais chier. Fais chier. On va avoir un vampire. Bah attends, mais Sylvandre, regarde pas ta tête, mais c'est pas mal ça. Bon, pas le... Oui bah je cache, mais bon, on voit quand même. Le torse là, il est pas mal, hein. Sylvandre, j'ai dit, non, comment il s'appelle? Jay les crocs, il est pas mal, hein. Voilà, voilà, bon, bref. On adore les vampires. Bah oui, non, parce que si tu fais pas gaffe et que ton ado brûle au soleil, c'est un peu relou. Je vais faire attention. Hein. D'ailleurs, les petites, là, elles sont quoi? Ça a l'air d'être des... normales, enfin des humains. Des normales. Pff. Des humains, ça va. Fait pipi quand elle est nourrie. D'accord. Pourquoi pas. Ah, le slip est très sexy, oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres papas. Faites-vous plaise. Papa ou maman, je m'en fous tant que ça met en cloque. Bon, après, il y en a encore un sacré paquet à mettre. J'espère qu'ils vont pas vieillir avant que je les ai... je les ai ken. Ah oui, d'accord, mamie. Mais en fait, je sais pas parce que je... pas sûr que sa tête soit terrible, tu vois. Je suis pas certaine, mais bon. Qui c'est qui chiale? Ah bah ça, le jour où les Sims s'arrêteront de bugger, c'est que le jeu n'existe plus. Hein. Ça préfère sortir des kits que de régler les bugs! N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a, Sylvandre, tu nous emmerdes. C'est quatre enfants, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bon, heureusement, on a Martin qui nous aide. Qu'est-ce qu'elles ont, celles-là? Mais dormez, enfin! C'est bon, elle s'est endormie toute seule.
Nul, les Sims. D'ailleurs, en parlant de Sims et de leur éventuel... Je pense à ça parce que, vous savez, il y a Life by You, je sais pas quoi, qui est en cours de développement. Je sais pas si vous aviez vu la bande-annonce, mais je l'avais foutu sur Discord. C'est l'ancien créateur des Sims 2 qui bosse dessus, avec Paradox. Paradox, c'est ceux qui font Crustacé, hein. Enfin, Crusader King, bref. Eh ben, je suis pas convaincue, vous voyez. Ça a l'air trop chiant, en fait. Enfin, faut aller faire les courses et tout. Alors, il y en a que ça emballe, hein, mais personnellement, ça me fait déjà chier, en vrai. Alors, le faire pour mes Sims... chiant. Ah, cette douce mélodie. Oh oui, mais ils ont faim, là. Debout. Je suis pas convaincue, ça a l'air compliqué, ça fait un peu à moitié Sims et en même temps il y a une vue à la première personne, il y a des dialogues. Je sais pas. C'était pas les Sims 3, si peut-être, enfin on s'en fout. Enfin les anciens Sims en tout cas avant que ça soit racheté par EA et qu'ils en fassent de la grosse daube. Enfin qu'ils en fassent une pompe à fric serait plus exact. Mais ouais, je sais pas. Au début, j'étais contente qu'il y ait un concurrent direct. Mais ça a l'air compliqué et je sais pas. Et puis les graphismes, c'est pas terrible. Je suis plus emballée par Paralive qui sortira certainement dans 20 ans quand je serai morte. Mais je sais pas. Alors que pourtant, Paralive, au début, j'étais pas trop chaude. Je sais pas. Oh là là, quel bordel. Change sa couche. On va changer la couche de celle-ci. Bah, nourris-le peut-être. Au lieu de lire là. Elle le nourrit pas assez bien. Le pauvre, il est mal aimé, hein. Je suis le mal-aimé, le pauvre mal-aimé. Ouais, je sais pas. Par contre, j'ai vraiment envie que Paralive sorte, mais ils ont pas l'air... ça avance pas, quoi. Je sais que c'est une petite équipe et tout, mais... Enfin, je suis désolée, mais quand tu vois qu'il y a une personne toute seule qui arrive à faire un jeu complet et c'est déjà... ça fait qu'un an qu'elle bosse dessus, c'est déjà en early access, et il y a déjà les trois quarts de ce qu'elle voulait faire à la base, et que toute une équipe entière, ça fait 5 ans et ça avance pas... Oui, je suis pas patiente. Enfin, si, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Ouais, faut voir. Après, j'attends aussi d'en savoir plus. Bon, déjà, ils font que leurs posts en anglais. Donc, et puis, ils font pas des posts que tu peux prendre, sélectionner et mettre dans DeepL ou dans un autre traducteur. Bah non, ils font des posts en images. Donc, si tu veux traduire, faut tout aller...
retaper, j'ai un peu la flemme, donc je sais pas trop ce qu'ils disent. Je regarde les vidéos quand il y en a, j'ai vu leur système de construction. Pour le moment, bah, il n'y a pas... C'est les Sims, quoi. Il n'y a même pas de mur rond. Il n'y a pas d'escalier en colimaçon. Again. Ouais. Je sais pas. Bon, en tous les cas, moi, je pense que je vais sauvegarder là. On a quand même avancé. Je voulais 13 gosses, mais j'ai pas la patience d'attendre jusqu'à ce qu'elle accouche. Ouais. On est même pas au deuxième trimestre. Donc, hop, on va se mettre ici, et puis je vais vous faire des bisous, je m'étire, oh là. Pardon. Et ben, écoutez les gars, merci d'être viendus, je vais mettre la rediff, enfin en tout cas, le peu que j'ai de la rediff sur YouTube, puis ça sortira demain ou dans les jours à venir. Mercredi, je sais pas ce qu'on peut faire. Vous me dites si vous avez envie de quelque chose en particulier. Sinon, bah, je ferai rien. C'est pas grave. Et puis, je verrai aussi si j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon goûter. Et puis des bisous, des cœurs, des paillettes. Et salut!